Dans cette vidéo intitulée Un message à l'Amérique, les djihadistes de l'État islamique affirment avoir décapité le journaliste américain James Foley, enlevé il y a 2 ans en Syrie. S'exprimant en anglais avec un accent britannique, le bourreau exhorte Barack Obama à cesser les frappes américaines en Irak. L'organisation extrémiste menace en outre d'exécuter un autre journaliste américain qui apparaît dans la vidéo, Stephen Sotloff. James Foley était un reporter expérimenté de 40 ans. Il avait notamment couvert le conflit en Libye avant de se rendre en Syrie. Il a été kidnappé en novembre 2012 dans le nord du pays. Il couvrait le soulèvement contre le régime de Damas pour divers médias, dont le site américain Global Post ou encore l'agence France Presse. Sa famille, qui avait lancé une campagne d'information, n'avait eu aucune nouvelle de lui depuis lors.